Donc, dès que tu seras à Paris, je te téléphonerai pour te mettre en contact avec toi en Vélan. Quand tu allais me voir, là où tu faisais cause Mandombe, à l'espace La Briche, c'était un samedi. Alors, moi, je travaille le samedi, donc j'ai quand même une journée pour aller travailler, pour aller à la cité à l'écriture, à la cour de l'écriture. Il me dira, comme tu ne peux pas venir le samedi, il faut venir chez moi, où j'habite à Courneuve, pour ça, je vais te faire cours en privé. Et à chaque fois que j'allais faire mon cours en privé, il m'ajoutait toujours des éléments qui ont fait que, enfin, qui sont à l'origine de tout mon nom. Alors un jour, je lui ai posé la question, quel rapport y a-t-il entre le verset biblique de Matthieu 14, 17, où Jésus avait multiplié 5 pains et 10 poissons? Il me dira, tu es la deuxième personne à m'avoir posé cette question. Alors, je ne sais pas quelle forme, je lui donnais des éléments, j'ai des mémoires, des étudiants qui ont fait les recherches sur mon nom, mais tu pourras avoir toute l'information. Mais il m'a dit encore ceci. Quand j'ai fait une conférence à l'université de Kinshasa, il y a un jeune Congolais qui est encore étudiant à la faculté des droits. À la fin de la conférence, il est venu se féliciter pour avoir Abelade. Il lui dira, en tout cas, bravo pour avoir Abelade. Je vois que ce que tu viens de faire est vraiment une science universelle. Mais moi, je veux savoir, quel est le nom de ton Dieu dans le monde spirituel? Papa lui dira, mais non, moi je vous ai dit qu'il s'appelle Kimbang. Non, il doit avoir un nom dans le monde spirituel. Alors ça a invité le voir à Beladio. Après 9 mois de prière, il s'est retrouvé en Kamba, dans le rêve, et il voit une silhouette d'homme avancer vers lui. Plus la silhouette avançait vers voir à Beladio, plus il distinguait la personne. C'était pas Kimbang. Il n'a pas touché le sol, il est juste resté dans les airs. Il lui dira un petit Congo. Vous va couper le mot inani, vous va tel avo, mono, il passe en français. Donc si on vous demande qui suis-je, je suis, il passe en français, roi des noms de père et un père, maître des pays en profondeur. Il m'a écrit cette phrase-là sur un bout de papier, je garde jalousement ces papiers-là, dans un carton, parce que comme j'ai fait le déménagement, c'est sûr dans un carton quelque part. Il met la phrase, il compte le nombre en fait, de chaque lettre. Roi de mon père, un père de la profondeur, donc 52. Qui équivaut à 5 et 2. Les deux éléments de la relation de Petit Mandoum. Et ça équivaut aussi aux 5 pains et 2 poissons que j'avais multiplié dans la Bible de Matthieu 14, verset 17. Alors, il me dit, vas-y, fais des recherches. Donc, depuis 2003, j'ai commencé des recherches. Et ces recherches ont donné ce livre. Alors, je me suis posé la question, comment se fait-il que, à travers deux chiffres ou deux formes de chiffres, 5 et 2, on peut avoir une écriture. Si on remonte en arrière, en 1921, lorsqu'on avait arrêté de voir qu'il y avait un Kamba, les Belges se sont déplacés. Quand ils sont retournés à l'endroit où on l'avait arrêté, ils ont remarqué qu'il y avait une planche sur laquelle il y avait deux symboles. Au recto, la forme du chiffre 5, et au verso, la forme du chiffre 2. Quand on lui pose la question, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, il leur dira, dans les années à venir, les enfants pourront de merveilles avec ces deux éléments. Donc l'écriture est partie de ces deux éléments. Mais 57 ans plus tard, 1978, papa Kimbang est venu voir Roi Abelade en rêve, il lui dira, Roi Abelade, va prier et te priver dans la source sacrée. En tant qu'embarquage, je vais te confier une mission pour l'homme noir. Après quelques temps, je vais couper parce que le temps nous est parti et n'est pas vraiment élargi. Donc, après quelques temps, il découvre sur le mur de briques la forme du chiffre 5 et 2. Et la nuit suivante, pendant qu'il va au midi, en lui donnant un brevet sur lequel c'est marqué brevet d'activité matérielle, il lui dit, vous avez vu les chiffres de cette matérielle, c'est avec ces deux chiffres que vous réaliserez tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. Et à ce moment-là, il a commencé à faire des recherches. En faisant des recherches, il a mis en place l'écriture Mandombe. Donc la base, le principe de base de Mandombe, c'est ces deux éléments-là. Alors moi, j'ai voulu comprendre, mais pourquoi ces deux éléments-là? Qu'est-ce que ça signifie au juste, ces deux éléments-là? Le 5, c'est le principe créateur. Le 2, c'est le principe de dualité. En fait, c'est la dualité de l'univers.